Dimanche 27 août 2023, Nicolas Sarkozy a pris la parole dans les colonnes du Parisien afin de répondre aux questions des Français. L'ancien président de la République a notamment pris position au sujet de la polémique au sujet des lacs du Connemara de Michel Sardou. Une critique qui ne manque pas de faire réagir. Au début du mois d'août 2023, Juliette Armanet, interrogée par le média belge Typique, s'est confiée au sujet des trois musiques qui lui font quitter une soirée à coup sûr. Pour elle, il n'y a pas de doute, Les Lacs du Connemara de Michel Sardou est la chanson qu'elle ne peut pas supporter. Trois fois Les Lacs du Connemara. C'est le côté scout, sectaire, la musique est immonde. IST de droite, rien ne va. C'est vraiment une chanson qui me dégoûte, a-t-elle expliqué. Une critique que le compositeur de ce classique de la chanson française a eu du mal à avaler, jamais je ne suis tombé sur une personne aussi immonde. Point, elle a de bonnes chansons, elle chante très bien, mais elle ferait mieux de se taire. Je ne sais pas pour qui elle se prend. Si est immonde ce qu'elle a fait, si est indigne d'un artiste. Qu'elle se taise quand si est pour dire des ignominies pareilles. A-t-il confié chez BFM TV, quelques jours plus tard. Si est très important dimanche 27 août 2023, c'était au tour de Nicolas Sarkozy de se positionner, dans les colonnes du Parisien. L'ancien président de la République a répondu aux questions des Français. Une femme lui demande, peut-être un sujet moins important, la musique. Qu'avez-vous pensé de la polémique Armanet sur la chanson Les Lacs du Connemara de Michel Sardou? La question n'a pas manqué de faire réagir l'homme politique. Il a d'abord fait un clin d'œil à Carla Bruni, moins important? Mais vous savez avec qui je suis marié? Rire, la musique, si est très important. Puis, l'homme de droite a répondu plus précisément concernant les propos de Juliette Armanet, Michel Sardou est un grand artiste et un chanteur que j'aime beaucoup. Le chanteur populaire Quest Sardou doit être respecté. Je suis pour la liberté d'expression, mais je n'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. Et aujourd'hui, ils sont hélas légion. Voilà qui est clair. Keep it up, I have a reason.